Hello, my name is Moran Zgheb, and I'm currently doing my first BBA year at ISA uh, Business School. The topic that I would like you to do your research on is the rivalry between Japan and China. Uh, this is a topic that has not been elaborated uh, in our seminar, and the question that will help you guide your research will be to what extent do Japan and China plan to impose themselves as, as market leaders in the Far East? Merci et bonne chance. Bonjour Marwan, je me présente Clémence Pomeray. Je suis actuellement en Master 2 Manager du Développement Commercial au sein de Totem Formation. Je suis cette formation en alternance en tant que conseillère formation pour le Centre Totem Développement. Marwan, je vais donc répondre à ta question sur la relation entre la Chine et le Japon. La Chine et le Japon, entre rivalité et interdépendance, ce sont les principales puissances de l'Asie orientale. Tout d'abord, nous allons commencer par une courte présentation des atouts et des limites de chacune d'entre elles. La Chine. Elle est de par son PIB en parité de pouvoir d'achat la première puissance économique devant les États-Unis, mais aussi le premier exportateur mondial. En effet, membre du G20 et de l'OMC, le pays s'implique énormément dans les échanges commerciaux mondiaux. Il possède la plus importante quantité de terres rares utilisées dans la fabrication de hautes technologies. De par sa main-d'œuvre bon marché, elle est également la première puissance manufacturière au monde. Le pays est l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, mais aussi une puissance nucléaire et possède l'armée la plus importante au monde. Son budget militaire est aujourd'hui le deuxième budget le plus important derrière les États-Unis. Cependant, le gouvernement maintient une politique répressive. L'accès à Internet est très contrôlé et l'information censurée. En effet, la politique de l'enfant unique, mise en vigueur en 1979 et qui a pris fin le 29 octobre 2015, risque de conduire au vieillissement de la population et à un déséquilibre homme femme. Le Japon, quant à lui, demeure le premier créancier avec les deux plus grandes banques au monde. Si l'on ne tient pas compte de l'Union européenne, il est la troisième puissance économique et la quatrième puissance exportatrice. Le Japon participe à toutes les organisations internationales regroupant les grands pays industriels comme la Triade, le G8, le G20, l'ASEAN ou encore l'OMC. Leader en technologie de pointe, elle est la troisième puissance mondiale en nombre de chercheurs avec plus de 200 000 brevets délivrés en 2014. Le pays possède une main-d'œuvre hautement qualifiée. À propos des infrastructures, le pays possède l'un des réseaux de transport les plus performants au monde. Le Japon a également des faiblesses. Il est l'État le plus endetté au monde, une dette qui représente 223% de son PIB. On peut rajouter qu'il ne siège pas comme membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et ne possède pas l'arme nucléaire. Pour son industrie, le Japon possède très peu de terres rares, sans lesquelles l'industrie japonaise serait totalement détruite. Sur le plan démographique, non seulement les Japonais ne font plus d'enfants, mais ils ont le taux de natalité le plus faible au monde, qui explique également le vieillissement de sa population. Les rivalités. Le problème géopolitique majeur concerne une rivalité géographique. Les rivalités entre les deux pays remontent aux années 30, suite à l'occupation japonaise en Chine. Les deux pays se trouvent souvent dans une position de concurrence. La Chine et le Japon s'opposent en effet au sujet des îles Senkaku, en japonais, ou îles Dia en chinois. Annexées par le Japon à la fin du 19e siècle, la Chine en a déclaré la propriété dans les années 70. Depuis, les incidents s'enchaînent et ont eu pour conséquence une inflation militaire dans la zone, chacun s'armant de plus en plus. En 2015, le budget militaire japonais a été de 42 milliards de dollars, soit une augmentation de 3%, expliquée également par les derniers essais nucléaires nord-coréens. La mer de Chine est en effet un espace stratégique, carrefour de routes maritimes, elle abrite d'importantes réserves de poissons et d'hydrocarbures. S'ensuivent les rivalités économiques. Dysprosium, gadolium, samarium, cerium, vous connaissez ces métaux Eh bien, ce sont les terres rares qui sont utilisées dans la fabrication de smartphones, télévisions, etc. 98% de la population mondiale de ces terres rares provient de Chine, qui exporte ces métaux dans de nombreux pays. La Chine appliquait depuis 2010 des quotas à l'exportation fixés à 30 000 tonnes par an pour une production annuelle chinoise de 120 000 tonnes. Quelles ont été les conséquences Les États-Unis, l'Union européenne et le Japon accusaient la Chine de limiter volontairement ses exportations pour faire monter les prix. Ils ont alors déposé une plainte auprès de l'OMC qui a condamné la Chine en 2014. Aujourd'hui, le Japon cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement par des partenariats avec l'Inde, le Vietnam et le Kazakhstan. La Chine connaît ses opportunités et ne s'arrête pas là. Elle a créé en 2016 la IBIB, Banque Asiatique d'Investissement dans les Infrastructures, qui regroupe 57 pays membres mais pas le Japon. Cette banque a pour but de concurrencer le FMI, la Banque Mondiale et la Banque Asiatique de Développement située au Japon pour répondre aux besoins croissants d'infrastructures en Asie. Elle s'inscrit dans la stratégie de la nouvelle route de la soie développée par la Chine. Effectivement, les besoins en infrastructure de la région s'élèvent à 800 milliards de dollars par an. En conséquence, la création du traité transpacifique par Barack Obama en 2015. Ce traité est l'aboutissement de la stratégie dite du pivot qui consiste à resserrer les liens commerciaux entre les pays de l'Asie Pacifique pour contrebalancer l'influence grandissante de la Chine. Il comprend 11 pays dont le Japon. Cependant, depuis l'élection de Donald Trump en novembre dernier, ce traité est remis en cause. Trump considère cet accord comme catastrophe en puissance pour notre pays. Son entrée à la Maison Blanche nous donnera plus de précisions quant à l'évolution de ce traité. Le PIB marque également les différences en termes de performance économique. Le poids du PIB de la Chine en parité de pouvoir d'achat représente 17,3% du PIB mondial contre 4,2% pour celui du Japon, se trouvant en quatrième position derrière les États-Unis et l'Union européenne. Ces deux pays ont également des complémentarités, notamment par rapport à leurs échanges commerciaux. Les deux pays sont des partenaires économiques majeurs, avec un commerce bilatéral passé de 1 milliard à 312 milliards de dollars en 40 ans. La Chine a été le principal client du Japon avant d'être devancé par les États-Unis en 2013. Le Japon y exporte des biens d'équipement, des biens intermédiaires, des produits chimiques, mais aussi de plus en plus de produits finis. Le Japon, quant à lui, est le troisième client et fournisseur de la Chine. La Chine y exporte par exemple les terres rares, des produits manufacturés, du textile et bien d'autres. Le ralentissement de l'économie chinoise a entraîné une diminution des exportations japonaises vers la Chine, mais la tendance de long terme reste très porteuse avec une augmentation de 49,7% entre 2005 et 2015. C'est donc logiquement que le ralentissement actuel de la croissance chinoise inquiète au plus haut point le Japon. Également un soutien mutuel. Les deux puissances sont situées dans une zone particulièrement exposée aux phénomènes naturels. Un soutien à la fois financier et humain avec des équipes de sauvetage envoyées sur les lieux. Par exemple, lors du séisme Sichuan en Chine en 2008 ou encore le séisme Tohoku au Japon en 2011. Nous allons maintenant passer à la conclusion. La Chine, comme le Japon, ne possède donc pas une puissance complète à l'échelle mondiale. À l'échelle locale, leur concurrence n'exclut pas des complémentarités. L'émergence économique de la zone profite en effet à la fois à la Chine et au Japon. Marwan, j'espère que ma réponse te convient. En tout cas, si tu as des commentaires, n'hésite pas à les laisser en bas de cette vidéo.